the 12th largest company in the world, controls the most awesome goddamn propaganda force in the whole godless world, who knows what shit will be peddled for truth on this network. So you listen to me. Listen to me. Television is not the truth. Television is a goddamn amusement park. Television is a circus, a carnival, a traveling troupe of acrobats, storytellers, dancers, singers, jugglers, sideshow freaks, lion tamers, and football players. We're in the boredom-killing business. So if you want the truth, go to God. Go to your gurus. Go to yourselves. Because that's the only place you're ever going to find any real truth. But man, you're never going to get any truth from us. We deal in illusions, man. None of it is true. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube. You eat like the tube. You raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. We are the illusion. En 1950, la télévision en noir et blanc a fait son entrée dans les foyers américains les plus aisés, puis s'est répandue un peu partout dans le monde. Le 1er octobre 1967, c'était au tour de la télévision couleur de faire son apparition dans les foyers français. À cette époque, qui aurait pu imaginer que cet appareil soit capable de bouleverser toute une société ? Et voici la couleur. 3, 4. Pourtant, il ne lui aura fallu que quelques années pour changer les mentalités, les comportements et faire bouger les lignes sur des questions de société. Notamment grâce au programme de divertissement qui, année après année, s'évertuait toujours un peu plus à transgresser certains codes moraux sous prétexte de faire de l'humour. All I could focus on was I gotta get out of here, and I could not think about not everything that I needed to know just immediately evaporated from my mind. Let's go, you can do this. All right, Marissa, here we go. Here comes the first one. Ow. No problem, kid. Come on. No problem. It's no big deal, right? Not that one too bad. You're gonna be fine. Oh. Marissa, calm yourself down. Calm yourself down. Right. Last one. This is the last one. It's over. You got through it. Good job. I hate needles. It's probably one of my biggest fears. And I just tried to concentrate on my breathing. And I was just thinking that I've dealt with so many things that I should be able to get through this. Progressivement et à force de répétition, l'esprit des téléspectateurs a fini par s'y habituer et à adopter ces nouvelles normes et ce nouveau mode de vie qui leur était proposé à l'écran. Somehow I made it through, didn't know how lost I was until I found you. Allô? Non mais allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Les Français se gavent de télévision. Juste pour vous montrer que l'année passée, en 2011, c'est 3h47 en moyenne. Les messages diffusés dans les médias transmettent un certain nombre de codes censés être une représentation de la société. Ils représentent un monde qui n'est pas authentique, mais que ceux qui en sont à l'initiative veulent voir s'installer. Si vous arrivez jusqu'à l'espérance de vie à 80 ans, c'est 11 ans de votre vie que vous aurez passé devant la télévision. Sans dormir, sans manger, sans faire pipi. Si on compte 7h30 à 8h pour ça, vous aurez passé à peu près 18 ans de votre vie devant la télévision.
En plein dans le mille, il y a deux mois, dans un ouvrage confidentiel intitulé « Les dirigeants face au changement », le président de TF1 y livrait sa conception du métier. Voici l'extrait de la polémique. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Maladroit, diront certains. Non, Patrick Lelay a bien relu et validé cet entretien avant la parution du livre. Mais une partie de la presse s'est emparée de l'extrait, fustigeant au passage la télévision commerciale de Patrick Lelay cerveleur à trafiquant d'organes audiovisuels dont le seul but serait de crétiniser un maximum de personnes. C'est magnifique. Les dessins animés influencent les enfants en construisant leur perception du monde réel. And we develop our notions of reality from the cultural mechanisms around us. And one of the most important cultural institutions that we have today is indeed the media. Amazing when you look at Disney, Disney movies over the years, is how little the image of females has really changed. You still have the same highly sexualized female body with the big breasts, the tiny waists, the fluttering eyelashes, the coy expressions, the seductress. These images seem very similar over the years, and even when they're in animal form, you know, you've got this very seductive little female animal. Disney has now said that it is okay for a government school to tell your three-year-old about sexuality. Corporate statements do very little to change outcomes or minds. Simply put, they can be counterproductive and undermine more effective ways to achieve change. I believe the best way for our company to bring about lasting change is through the inspiring content we produce. We are telling important stories, raising voices, and I believe changing hearts and minds. These and all of our diverse stories are our corporate statements. And they are more powerful than any tweet or lobbying effort. Disney president, a woman by the name of Carrie Burke, says she wants to see at least 50% of Disney characters in the future be LGBT or a racial minority. A number of Disney employees walked off the job last week because they felt that Disney did not do enough to oppose a bill that passed in Florida. And what that bill does is it prohibits teachers from providing instruction on sexual orientation and gender identity to children between the ages of kindergarten and third grade. But it's those kindergartners in Florida that they really want to have transgenderism as part of their core curriculum in school. Dessous de la publicité, si vous pensez en votre fort intérieur échapper aux messages et aux spots, eh bien voilà qui va peut-être vous faire réfléchir. La publicité est aussi désormais affaire de médecine. La publicité a également joué un rôle déterminant en parvenant à créer le besoin chez les consommateurs pour qu'ils s'achètent sans compter
quitte à devoir s'endetter. Ce soir-là, à l'hôpital Brugmann de Bruxelles, les rideaux sont baissés, les patients sont partis, tous les services sont fermés. Sauf l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique, où cette jeune femme s'apprête à faire analyser son cerveau. C'est une IRM fonctionnelle dans un but marketing. Cela s'appelle le neuromarketing, une discipline très récente. En 2004, un chercheur américain publie dans la revue Neurone une étude choc. La preuve par les neurosciences que la publicité est plus forte que le goût. 7 ans après cette étude, plusieurs dizaines de sociétés de conseil ont fait du neuromarketing leur fonds de commerce. Comme Brain Impact à Bruxelles, qui va aujourd'hui décrypter les réactions cérébrales de la volontaire générées par la publicité pour le soda. Premier renseignement, dès ses premières secondes, la publicité accroche. Le personnage heurte une vitre, ce qui déclenche chez le spectateur, comme le montre cette courbe, un pic d'émotions négatives. Coup d'envoi des bonnes affaires, ils sont des dizaines à s'être levés tôt pour être sûr de ne rien manquer, comme cette cliente qui est déjà bien chargée. Et ça, c'est à Villeneuve-d'Ascq en 2017. Une personne qui regarde régulièrement le même type d'émissions télévisées, de séries et de films, n'a aucunement conscience du mécanisme de programmation dont elle est victime sur le long terme, au travers des scénarios, des images, de la musique et des fréquences qui s'en dégagent et qui visent à définir de nouvelles normes sociales. Les messages qu'une personne voit à l'écran s'inscrivent dans son subconscient, ce qui explique pourquoi leur récurrence influence à terme le comportement de cette dernière.